Je m'appelle Edson Marlu, je suis le photographe derrière le média au cœur du foot. Aujourd'hui, je suis sur une rencontre de National entre Rouen et Nîmes pour le premier match des Rouennais à domicile dans cette division après leur montée la saison passée. Le style de photo, le classique, le joueur en action bat le pied, une célébration, une frappe. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment les plans serrés, les portraits, tu vois. Là, je peux capter les émotions des joueurs, la concentration, de la colère, de la joie, des choses comme ça. Ouais, justement, c'est bien, tu vois, c'est des phases un peu plus arrêtées. Donc moi, comme je te le disais, moi qui aime bien faire des portraits. C'est plus facile en vrai. J'ai le temps de bien me focaliser sur les visages, capter certaines émotions. Et c'est une ambiance particulière aussi. Certains sont en totale détente, d'autres qui sont prêts à en découdre, certains un peu stressés. Donc ouais, j'aime bien immortaliser ces moments-là. C'est de la bonne pression, tu vois, parce que ouais, t'es à côté de tous les photographes, ça joue un peu des coups pour avoir la meilleure place, les joueurs ils rentrent qu'une fois sur le terrain donc tu dois pas te rater, donc moi c'est un truc que je m'interdis, tu vois, donc ouais c'est une bonne adrénaline. Championnat national, déjà c'est très très sérieux et c'est un championnat que je suis personnellement. Donc être photographe à ce niveau-là, c'est une fierté de fou parce que moi j'ai commencé la photo il y a quelques mois là. Je commençais forcément en district et je kiffe encore d'ailleurs. Donc mais c'est juste une étape de franchie. J'ai pas eu beaucoup de photos parce que ça attaque plutôt du côté de Nîmes. Mais là je suis content, j'ai eu une belle. J'ai eu une belle là à l'instant là. Donc chaque photo faut que j'ai réussi, tu vois. Mais le peu que j'ai eu, ça va, j'ai des bonnes photos, donc je suis content. Mes photos préférées ? Je viens de commencer, mais ouais, je dirais la photo d'un jeune supporter au Racing la saison dernière, c'était contre Rouen justement, match décisif pour la montée. Et ouais, il tenait un drapeau avec écrit « Le Racing n'est pas mort ». Et on pouvait voir toute l'émotion dans ses yeux et la fierté d'être là. Aussi, je dirais, c'était à Bobigny, c'était match FC 93 Épinal. Pareil, match décisif pour la montée en national dans l'autre poule. Il y a le FC 93 qui loupe une action offensive et l'attaquant qui lève son pouce. Et au même moment, le défenseur adverse qui lève son pouce aussi. Et j'ai réussi à capter cet instant qui a duré 2 secondes à peine. Et une dernière pour finir, je dirais, au tournoi U13 de Guerlédan. Moi, je suivais la sélection martiniquaise. Il y avait un petit numéro 10, grave technique, grave chaud, qui écoutait son coach, c'était pendant la causerie. Et je l'ai pris en photo. Pareil, c'était un portrait. Je regarde la photo et je me suis rendu compte qu'il était hyper photogénique. Donc ouais, celle-là me plaît bien.
acteurs, moi, je kiffe aussi. En fait, ça, tout simplement, c'est la passion qui part. Hein. Moi, je me reconnais à travers eux. Et là, les supporters de Rouen, ils sont bouillants. Donc moi, en tant que photographe, je me régale. La célébration. Bon, en fait, célébration, c'est quand tu l'as, c'est incroyable. Mais faut avoir, en fait, faut avoir le bon moment, tu vois, le bon timing. Après, c'est toujours, est-ce qu'il va aller de ce côté, est-ce qu'il va venir de ce côté. Tu vois, après, bah, c'est un peu de chance aussi, donc forcément. Donc, quand tu l'as, t'es content. Tu vois. D'attaque, de mon côté en tout cas, mais bon, on va dire que c'est la reprise, ça sera mieux pour les prochains matchs, tranquille, tout doux, reprends tout doux. Le match réussi pour moi, c'est quand j'arrive à avoir plusieurs éléments, que ce soit l'entrée des joueurs, un duel, un tac, ou à l'inverse, le défenseur qui va se faire envoyer, une célébration, et à la fin de tout ça, quelqu'un qui voit mes photos, c'est comme s'il avait assisté au match. Ils sont allés saluer le cop de Rouen. Donc ouais, fin de journée. Bonne journée. Après bon, grâce au travail, tu vois, tri des photos, des retouches. Donc bon, c'est pas fini, mais bonne chose de faite.